Bonjour à tous, un message pour deux choix. Je commence à couper pour deux choix. Alors, choisis, si vous voulez, choisis le premier. Et je donne un améthyste. Deuxième, l'améthyste. Après, on verra si ça parle quoi pour vous. Un message général et je prends un conseil. Alors, je commence avec les premiers. Le premier temps, c'est quel message pour vous général et la reine de bâton. Et il a déménagement, engagement, quelqu'un que vous êtes envie engagé ou déménager ou peut-être faire un projet avec une personne. Il y a quelque chose familial, les couples qui sont envie peut-être acheter une maison, déménager ou un changement. Moi, je vois ici quelqu'un, il doit faire attention au conflit professionnel. Vous ne laissez pas faire avec quelqu'un, soit beaucoup plusieurs personnes. Les déménagements dans le couple, il y a un engagement, il y a un mariage, il y a un déménagement avec quelqu'un, soit associé avec quelqu'un, soit une nouvelle couple construire, soit acheter une maison, soit déménager à la campagne. C'est quelque chose de positif que je vois ici. Et la famille, un nouvel départ avec la famille, avec les proches. Vous êtes triste, professionnel, peut-être vous êtes angoissé. Vous êtes beaucoup les doutes par ce travail. Alors, le couple, il y a la fin de quelque chose, la fin, un problème, la fin, une trahison dans le couple, soit c'est un changement vraiment énergétique, ou soit une maison, où vous êtes quitté une maison pour déménager, ou soit vous quittez le passé, vous tournez les pages, les conflits dans le couple. Un nouvel départ, une nouvelle relation, un nouvel amour, un équilibre dans l'amour familial, dans l'amour de couple. Il y a quelque chose qui commence à nouveau. C'est les 10 de épée, c'est la fin. La fin, une énergie elle était lourde ou un problème de communication avec quelqu'un dans le couple. Et vous êtes beaucoup les 10 de épée, les 10 de couple. C'est quelque chose de bizarre. 10 et 10, pour moi, c'est la fin, un problème de communication ou un conflit ou une énergie lourde dans votre foyer. Peut-être il y a un déménagement, un changement. Et les gens qui sont conflits par les travails, qui sont tristes, peut-être il y a besoin d'attention, besoin d'équilibre dans votre travail. Et quelque chose qui était très difficile pour vous dans ce travail. Bon, je vois quelqu'un qui quitte un travail, qu'il parte, qu'il ne reste pas dans ce travail. C'est quelque chose dans le passé que vous êtes encore besoin changement, besoin partir à zéro. Les couples, que c'est la fin quelque chose, la fin à une relation qui était décente, ou soit une relation qui était froide avec vous, une personne, ou soit dans le couple, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être discrets, ou soit froids dans la relation, il y a un changement, vraiment dans le couple. Il y a un nouvel amour, un nouvel équilibre dans la famille, dans le commencement. Les célibataires avec quelqu'un, vous trouvez votre énergie, votre amour, partage avec quelqu'un. Je donne un conseil pour vous, le premier, pour cet oracle, avec trois cartes, voir trois cartes. Prenez votre pouvoir. Vous êtes le pouvoir, changer les choses, les premiers temps. Le premier choix, c'est quelque chose que vous changez dans votre travail. Et le couple, il y a quelque chose qui retourne la joie dans le couple. Pour moi, c'est la fin, un problème dans le couple. Et les relations nouvelles avec quelqu'un, ou soit une relation familiale, c'est quelque chose, un nouvel amour. C'est quelqu'un qui vous êtes tombé amoureuse de quelqu'un nouveau. Soit dans la famille, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouvel amour pour le premier. Voilà, c'est le premier temps. Et je commence avec le deuxième temps. On va voir les deuxièmes temps. Alors, l'améthyste. Les personnes qui choisissent l'améthyste.
Alors, message, bon, là, je vais descendre. Là, ça tombait deux. Là, je vois quelqu'un qui a envie peut-être faire quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui ne vous tendez pas, un changement, soit vous sortir un blocage, soit un projet qui était bloqué pour vous, ça va démarrer. Vous êtes une personne qui a beaucoup de soucis, vous ne dormez pas, vous êtes bloqué psychiquement, soit dans un problème dans le couple, soit un problème professionnel, un projet. Il y a quelque chose qui commence à un succès pour vous professionnel ou un succès, attention, des gens négatifs ou soit une énergie, quelqu'un, peut-être il est malhonnête avec vous, attention ça. L'énergie du diable, ce n'est pas toujours positif. Il y a dans l'affaire, dans l'argent, c'est quelque chose de positif. Dans la relation de santé mentale, peut-être si quelqu'un n'est pas libre, si vous êtes à rencontrer quelqu'un, il n'est pas libre. Vous avez besoin de défendre vous pour ce projet. Pourquoi vous êtes bloqué? Il y a un changement, les blocages, ça change. La route fortune, ça change, ça va tourner une chance pour vous, professionnels, ou sortir l'angoisse ou le blocage. Le diable, c'est quelqu'un qui a une force, quelqu'un qui est un patron. Quelqu'un, une personne qui est fort caractère, quelqu'un il est peut-être il est dans le couple, ou soit quelqu'un n'est pas libre. Pour moi, je vois ici, fais attention avec les relations nouveaux. Les célibataires vont rencontrer une personne, quelqu'un il a réussite professionnelle et côté l'argent, quelqu'un il a bien dans sa vie, mais c'est le roi de bateau, c'est quelqu'un. Beaucoup d'énergie, peut-être si quelqu'un n'est pas libre, si vous êtes rencontré quelqu'un nouveau, les célibataires, ou soit c'est une nouvelle entreprise, ou soit c'est quelqu'un qui a peut-être dans le couple, qui était bloqué, c'est quelqu'un qui vous êtes avec, c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité, ou soit c'est à vraiment attaché à une relation, et cette personne peut-être qu'elle profite beaucoup à vous. Faites attention dans cette relation si vous n'êtes pas dans le couple avec cette personne, mais cette personne qui a une réussite professionnelle, ou soit quelqu'un qui a beaucoup la richesse, l'expérience, quelqu'un qui sait comment faire avec les femmes ou avec l'argent aussi. Alors, les conseils pour vous. Les conseils pour faire les confiances, peut-être vous n'êtes pas trop confiance à quelqu'un, ou pas confiance à vous, ou confiance à cette personne. Vous cherchez, vous trouvez peut-être parfois, vous cherchez seul les solutions. Est-ce que vous êtes continué? Est-ce que vous n'êtes pas bien dans cette relation et vous avez besoin de votre force, besoin peut-être de demander l'aide? Il y a une relation, peut-être c'est une personne qui n'est pas libre, ou soit quelqu'un qui a une bonne situation, ou soit quelqu'un il est marié, ou il a dans le couple, ou soit c'est quelqu'un, votre patron, peut-être c'est quelqu'un qui essaye de jouer avec vous. Faites attention, pas attacher trop cette relation si vous êtes avec une personne mariée. Pour moi, vous êtes commencé à ouvrir les yeux. Vous êtes éveillé, vous commencez à voir les choses plus claires. Peut-être que quelqu'un n'est pas libre. J'ai envie de tirer une carte, l'autre carte. Vous tendez un message. Cet message ou cet contact, ça va offrir votre esprit pour cette relation, pour ce travail, si vous êtes associé avec quelqu'un, ou pour cette relation sentimentale, ou avec quelqu'un qui n'était pas libre, ou quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Ou soit c'est quelqu'un qui cherche là la relation à une maîtresse, et c'est pas quelqu'un libre. Si quelqu'un a un fort caractère, essayez pas d'attacher à cette personne trop, parce que cette personne peut-être il n'est pas libre. Si vous êtes célibataire, les personnes qui choisissent la confiance, parce que vous n'êtes pas confiance à cette personne, vous commencez à voir les choses claires. Vous commencez à voir les choses claires.
Lumière, c'est quelque chose que commence à éclairer pour vous dans cette relation. Besoin de lâcher prise, pas attacher trop cette personne. Peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas libre, ou soit c'est quelqu'un, peut-être une personne qui est un petit peu malhonnête. Il n'est pas trop, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle cache. Peut-être il y a des choses cachées dans cette relation. Voir comment elle parle pour vous. Merci beaucoup. Si vous l'aimez, abonnez-vous, partagez. Merci beaucoup. Au revoir, mes amis.